To speak of a family is kind of a stretch, I think. I think inside a label is going to be very, very different personalities, some of which are not compatible, not musically, not humanly, I think. And that's also the richness of a label. If you have people who think exactly alike, and in fact are genetically alike, that's the definition of family, then maybe you have a boring label. But I think that's not the definition of Infine. So I wouldn't say, you know, we are one big family. I think we are all contributing something very particular, something very special, and very different one from another. Je pense que ce qui anime mon écoute depuis toujours, c'est de la curiosité. Donc, je pense qu'au collège, j'ai eu une espèce de mue où je me suis libéré des courants les plus dominants qui, à l'époque, étaient, je sais pas moi, AC/DC, Bob Marley, pour commencer à m'intéresser à des choses un peu plus niches. À la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans la musique, d'abord dans une majeure. Ensuite dans un très gros indépendant Pias. C'est cette accumulation d'expériences qui m'a, et du coup aussi de sentiments de manque et de frustration par rapport à un certain type de musique, à certains types d'artistes qui n'étaient, de mon point de vue, pas représentés. Associé à la rencontre ensuite avec Agoria et Yannick Matray, qui a été le stimuli de pour créer Infine. Je pense qu'au départ de Infine, pour la direction artistique, effectivement, elle est à l'image de la rencontre avec Francesco. Tout d'un coup, on avait un musicien de formation classique qui s'intéressait au chant de la musique contemporaine et à la musique électronique, et que c'est ce genre de croisement qui a ensuite animé la suite du catalogue. Alexandre est beaucoup plus qu'un producteur. Pour moi, c'est un ami à la base. On s'est lié d'amitié très vite. On a échangé beaucoup de musique. Il a exercé un petit peu de mentor, on peut dire, de m'envoyer plein de sons, des sons techno, mais pas forcément que techno. Moi, j'étais un pianiste acoustique. Depuis l'aventure Infine, je suis peut-être un pianiste électrique ou électronique. I know Strings of Life from 1989, but I also know Francesco Tristano's version of Strings of Life from 2000, 2001, whenever it was, maybe 2004 when he did it. So it's a song, it's a piece of music that I know and love, but it's also a piece of music that has re-influenced me in some ways. And Francesco had told me that once he, when he played it, I can't remember if he was here in Paris or somewhere else, but he played the compositions that were part of his show, and then he played Strings of Life. And he said an older lady came up to him, probably in her 60s or 70s, and said, you know, that last piece that you played, who's the composer? And, you know, when you think about techno music, you don't think of who's the composer. You think of, you know, who's the DJ. Of course, it's great when younger people come into the scene that weren't there in the beginning, and they can be influenced by it. It can touch their soul, and then they can reinterpret it so that the next generation of people are going to appreciate. And that's a wonderful thing about music. So, you know, it's not about doing a piece and it influences people now and then it goes away. It's always about the music recycling itself and people finding that music and being re-inspired or inspired for the first time, and then do something that's inspired by it, and then re-inspiring people that already know the music. So
I became aware of Infine in the first place because of my former student Francesco Tristano, who made an album for Infine right away at the beginning of the label solo piano record. And several years after that, then the idea came along that Infine would do some remixes of some solo piano pieces by Philip Glass that I had already recorded for another label in the United States. And so then the idea came along that we should just make a new recording, and that's what we did. I think what I always saw in Francesco was a kind of incredible life in music that touched many, many different aspects. And so I wouldn't have predicted exactly what happened, and mostly what I did with him in the beginning was really classical music, or at least modern classical music, but we weren't working on any kind of hybrid music yet. And still, though, I do think I had the sense that, you know, here was a musician who would be interested in a lot of different things, and I think, you know, it's I don't know, it's funny, there are many different kinds of music and we still like to categorize music, but on the other hand, I think in the new world, more and more, these old distinctions between, oh, that's pop, or oh, that's, you know, dance music, I'm really feeling more and more that these labels are not so useful and that music is actually coming together in a way so that some of these barriers are actually gone or are going. Donc Infine, au départ, nous étions trois associés, donc évidemment Agoria continuait ses activités de DJ et c'était un peu notre RP international puisqu'il parlait de nous aux journalistes, aux artistes dès qu'il le pouvait, sachant qu'Alexandre, lui, à l'époque, a été contacté par Warp pour monter le bureau français de Warp qui existe toujours et il a été accueilli chez notre distributeur à l'époque physique et digital qui s'appelait Discographe. Et donc il avait un bureau là-bas et dès qu'il avait un petit peu de temps, il bossait sur Infine. Sachant que dès le départ, il avait dit à Warp qu'il montait un label et qu'il allait consacrer peut-être 50% de son temps à ça. En revanche, moi, à l'époque, j'ai travaillé à l'ADAMI. Et en fait, moi, je travaillais entre midi et deux et le soir pour Infine. Et voilà, je m'arrangeais un petit peu dans la journée pour répondre à quelques mails, mais j'étais pas du tout à plein temps sur Infine. Donc au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte que c'était impossible de gérer les deux. J'ai fait une mission au FCM, qui est le Fonds pour la création musicale, pendant 6 mois, et qui m'a permis par la suite de me consacrer à 100% à Infine. En tout cas, pendant 24 mois, et ensuite, anticiper l'avenir d'Infine et du coup maintenant être salarié d'Infine. La musique en général et la musique électronique dans les années de fin des années 2000, début 2010, c'est encore une fois c'est un endroit un peu compliqué, c'est comme si tout le monde attendait la prochaine révolution musicale, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolution musicale qui était la techno, une révolution musicale qui était le hip-hop, une bien avant qui était le rock, et c'est comme si finalement tout le monde ne faisait que recycler et que faire de la musique hybride. Un des plus grands groupes indie de ces années-là, c'est quand même LCD Sound System, et LCD Sound System symbolique de cette fusion, de cette hybridation entre le rock, la techno, l'électro, le disco, etc. À Infine, ils ont poussé ce paradigme encore plus loin, puisqu'ils ont signé donc un premier artiste qui est un concertiste classique, et puis ils ont signé des albums de flamenco, ils ont même par moments dérivé sur quelque chose de plus pop ou de plus indie rock, et on sent aussi que c'est un label qui la ligne, c'est qu'il n'y a pas de ligne, quoi. Et c'est ça qui a été toujours intéressant dans le parcours d'Infine quand on regarde leur catalogue, c'est de se dire que
rien n'est... quand on reçoit un disque d'Infiné, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et une des dernières sorties du label, et qui d'ailleurs marche bien, et personnellement j'en suis vraiment ravi, c'est la rencontre entre Vanessa Wagner, une autre concertiste, pianiste, avec Murkoff, qui est un musicien mexicain qui est très... qu'on pourrait qualifier d'ambient si on veut, mais qui est dans une filiation de Brian Eno ou de ce genre d'expérimentation-là. Et leur rencontre à eux deux sur un répertoire qui marie Aphex Twin, Philip Glass, Steve Reich ou Ligeti. Ça, c'est vraiment symbolique de ce qu'est Infiné, quoi. C'est de faire aussi se rencontrer les genres et les gens. Conozco a Alex de Kazak desde hace muchísimos años. Creo que desde antes de que se fundara Infiné. Y desde entonces ya me comentaba que de sus planes y esto. Entonces, pues, lo conozco desde antes de su fundación. Alex ha sido para mí una... Aparte de que valoro mucho su amistad, desde un principio él me ha apoyado en mi trabajo aquí en Francia, ¿no? Gracias a él se han desarrollado muchos proyectos aquí y por consecuencia pues yo he crecido mucho como artista, ¿no? Entonces ahora que estamos a punto de lanzar este nuevo disco junto con Vanessa Wagner, pues es como una culminación de muchísimos años de amistad y de trabajo juntos, ¿no? Aunque sí, anteriormente Infiné lanzó licenció un disco para disco mío que de un soundtrack que hice para una película mexicana, pues fue eso, una licencia, ¿no? Un trabajo que ya estaba hecho. Y en cambio este trabajo de Statea, el disco que está a punto de salir, es exclusivamente hecho desde un principio, concebido para ser lanzado con Infiné. Entonces es muy representativo este disco para mí y para todos los involucrados, ¿no? Para Alex, y yo ahora también coincide con el 10º aniversario del sello, entonces hay muchas cosas que se han alineado. Au début, les premières signatures, c'est des artistes qu'on avait déjà repérés avant ou en créant le label. Et ensuite, ça a toujours été des rencontres un petit peu, on va dire, inopportunes ou de chance, où on a rencontré beaucoup d'artistes via Francesco et Rami Khalife, qui ont monté le groupe qui s'appelle Offgang par la suite, Bachar étant le frère de Rami. Rhône, c'est le seul qu'on a un petit peu découvert par hasard sur la toile à l'époque. Voire même c'est lui qui nous a envoyé des maquettes. C'est un peu fou, mais si on recoupe l'histoire d'Infiné, de Julien et Alex et la mienne, eux, ils m'ont découvert comme ça sur Internet. Mais au même moment, quand même, c'était un moment où autour de moi, j'avais des potes qui commençaient à sortir des disques, qui faisaient du son. Et,
Et ça me tentait quand même pas mal, quoi. Il m'encourageait, il me disait, mais vas-y, c'est pas compliqué, tu t'envoies tes démos à des labels. Et je crois qu'à l'époque, j'écoutais pas mal Apparat, et qu'effectivement, j'ai envoyé 3 démos dans ma vie. C'était le même jour, hein, à l'ancienne, hein, dans un CD, dans une lettre, dans un courrier comme ça. J'ai envoyé 3 démos à 3 labels, et j'ai eu vachement de chance parce que j'ai eu 3 réponses positives dans la semaine, quoi. Et je suis allé voir une filée qui était à Paris. Et puis là, il y a eu vraiment un bon feeling, et j'avais même plus besoin de rencontrer les autres, parce que je me disais, ces types-là, ils correspondent exactement à ce que je recherche. Et après, ça allait très vite. Après, ça allait très vite parce que j'ai sorti un premier maxi, Bora, et ils m'ont proposé de le sortir sur un disque qui était complètement fou pour moi. Et voilà, une fois que c'était fait, je me disais, bon, ben, c'est dingue, j'aurais fait ça dans ma vie, j'avais deviné entre les mains, mais je pensais pas que ça irait plus loin. Et en fait, si, rapidement, on m'a dit, ah ben, ça te tenterait de faire un live au Rex Club, j'habitais juste en face, j'y allais tous les vendredis. Donc... Et heureusement, par réflexe, j'ai dit oui, parce que quand j'ai raccroché, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai jamais fait, j'ai jamais joué devant plus de 2 personnes, quoi, je pourrais jamais faire un live. Et en fait, j'ai bien fait dire oui, parce que ça m'a obligé à aller beaucoup plus loin dans le son, quoi. Pendant un mois, je faisais que ça, j'ai mis tout le reste de côté. Et puis j'ai fait ce live qui devait être un peu comment dire, amateur, un peu, mais qui a vraiment provoqué des choses en moi. Il y a eu quand même un super retour du public et tout ça. Et là, c'est là que tout a commencé, quoi, vraiment. Là, je me suis dit, j'ai trouvé mon truc, j'ai trouvé ma place. Moi qui étais un peu paumé à cette époque-là et tout d'un coup, ça a donné un sens à ma vie, quoi. C'est parti de là, quoi. En fait, ce qui est marquant pour moi, c'est que je suis arrivé pour une édition du Workshop Infiné. C'était le début de mon stage et c'était quasiment la première fois que je rencontrais à la fois toute l'équipe, tous les artistes qui participaient au workshop et toutes les personnes qui gravitaient autour. Et j'étais quasiment incapable de savoir qui était vraiment dans le label et qui ne l'était pas. En fait, ils formaient tellement une entité entière, ce qui est le cas particulier du workshop, mais que tout le monde se sentait participer à la même, au même travail, à la même activité, de manière complètement égale. Pour moi, un des éléments fondateurs, un des moments fondateurs du label Infiné et de son histoire, c'est vraiment ces workshops, comme ils les ont appelés, qu'ils ont fait au Normandou. Il y a eu 5 éditions et ça démontre plusieurs choses. Alors ça démontre déjà le côté crossover expérimental et puis incubateur de projets musicaux. Voilà, c'est là où les rencontres se font. Effectivement, Vanessa Wagner et Murkoff se sont rencontrés au Normandou. Par exemple, le violoncelle Gaspard Klaus qui a pas mal tourné avec Rhône, qui a aussi un trio qui s'appelle Vacarme. C'est là aussi où il a fait quelque chose finalement dont il avait toujours rêvé, faire un concert avec son père qui est le guitariste flamenco Pedro Soler. Et ça s'est fait au Normandou. Donc au Normandou, c'était un endroit assez magique. Déjà le cadre était magique. Et puis de toute façon, on était perdus dans la campagne et on était forcément tous ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on voulut, Yannick Matré et Alex Kazak. Même le live en fait, qu'on joue ce soir avec Julien, la première fois qu'on a bossé ensemble avec Julien, c'était au workshop, quoi. Et c'était vraiment la V0 du live qu'on a après développé. C'était sur un DJ set d'ailleurs. I did participate one summer in the Infiné workshop in the carrière, and this is a really cool thing. It's a very interesting coming together of a lot of different musicians, and I played a show there. But I also heard a lot of other people and really, you know, got some sense, I guess, of things that are going on in music, which I probably wouldn't have known about.
Il y a toujours eu cet esprit de famille et cet esprit communautaire au sein d'Infine. Alors après, comme dans toutes les familles, il y a des tensions, ça se passe pas toujours bien, il y a des gens qui reviennent, qui s'en vont, qui vont voir ailleurs, etc. C'est la vie. Mais tant qu'ils chercheront toujours à faire se rencontrer les gens, les générations et les genres, ils auront toujours une place singulière dans tous les labels de musique électronique français. Le désir de Infine, il est de développer des projets effectivement inédits, d'accompagner des artistes pour qu'ils réussissent à exprimer une personnalité. Oui, l'envie c'est vraiment de développer des choses qui ont de la saveur, qui ont des fortes personnalités. Même si on peut penser Infine comme un label de musique électronique ou comme un label de musique classique, ça va au-delà de ça. Il y a beaucoup plus de prise de risque, il y a beaucoup plus d'envie de découvrir et de croiser les genres. Depuis un an et demi, on a lancé une série de compilations qui s'appelle Explorer. Et c'est un peu le terrain de jeu. Notre terrain de jeu, c'est un moment où, comme son nom l'indique, on peut aller chercher et très loin des choses nouvelles. Et j'ai l'impression que Explorer va alimenter beaucoup la suite de Infine. La compilation Explorer, ça a commencé avec la volonté de se dire il y a tellement de musique qu'on écoute tous les jours, tellement de jeunes artistes émergents qui n'ont pas la chance d'être signés sur des labels, d'être connus pour X ou Y raisons. Pourquoi nous, on n'aurait pas l'audace de tous les rassembler et d'en faire la promotion de manière globale? Du coup, peut-être de manière moins risquée, mais au moins de rassembler les forces de tous ces jeunes artistes. Ma curiosité m'a fait prendre pas mal de chemins, de routes, y compris des routes de traverse. Et que voilà, cette curiosité, j'ai l'impression qu'elle reste aujourd'hui mon moteur dans une envie de découvrir des choses nouvelles, de susciter des rencontres, de découvrir des nouvelles rencontres. Je pense qu'on a prouvé en 10 ans qu'on était capable de développer des carrières d'artistes. Il ne s'agit pas que de sortir des disques et d'avoir une réussite commerciale ou de communication avec ces disques. On se doit d'avoir de l'engagement. Donc l'engagement, il est de proposer des choses différentes. Il est de donner de la voix et d'ouvrir des portes à des gens qui n'ont pas forcément accès à ces portes. Donc il y a une nouvelle génération d'artistes qui arrivent et qui, j'ai l'impression, sont en train de préfigurer l'avenir du label. Et voilà, l'avenir du label, il est à leur image, donc ils sont de différentes origines, de sexes différents et de cultures très très différentes. Les modes, ça passe. La mode techno à Paris, elle va passer comme les autres. Et qu'est-ce qui restera de ça? Il restera des grands disques par des artistes qui ont une personnalité forte. Et pour moi, c'est ça, ça doit rester ça in fine dans l'avenir. Et pas se définir à un style ou à une... ou pas coller à une mode parce qu'ils ne l'ont jamais fait et ils le feraient mal parce que c'est pas leur raison d'être.